Attention, les relèves de radiation locale suggèrent que le noyau du moteur de l'Aurora a atteint un état critique. Une détonation quantique surviendra dans 2 heures. Et yo tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Subnautica, l'épisode 2. Et aujourd'hui, nous allons essayer de construire notre base, si on peut bien sûr. Et voilà, hein, qu'est-ce que je pourrais vous dire. Ah oui, j'avais créé un truc pour aller vite. Un petit robot, et j'ai oublié de sauvegarder. Ah, le con. Et du coup, bah, il faut totalement que je le recrée. Donc c'est génial, hein, écoutez. Bon, excusez-moi si je tousse, c'est que je suis malade. Et voilà. The sea glide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Bon, et ben voilà, on a le sea glide et voilà, voilà. Je peux pas poser. Ah oui. Non, à chaque fois je mets pause parce que je me trompe de touche. Nous allons créer du titane qui va nous servir à je ne sais pas grand-chose. On va construire des verres, du verre, du verre. Qu'est-ce qu'on pourrait construire d'autre? Scanner, ok. Ah ça, constructeur d'habitat, kit de câblage. Kit de câblage et circuit intégré. Ça aussi il faudrait en créer, mais batterie haute capacité on n'en a pas. C'est ça qui est chiant. On va créer des lingots. Et on va refaire du titane. Excusez-moi. On pourrait faire ça à haute capacité. Ça veut dire que ça pourrait nous servir à la... Ah mais oui. En plus, on a un seul minerai. Félicitations, survivants. Vous avez dépassé la semaine de 500. Les données indiquent que nager est votre activité favorite. J'essaierai de varier votre exercice pour un développement uniforme de vos muscles. D'accord. Si je l'enlève et que je fais ça... Ah, voilà. Voilà. Ça va. Ah, un truc de radio. Oh, recycleur. Conserve l'oxygène en plongée profonde. Absorbe et recycle le CO2 en air respirable. Génial. Oh, attendez, c'est plus important ça. C'est Ozzy de la cafétéria. C'est quoi ce bordel, les mecs? La capsule a été presque écrasée par la baie à Seamost pendant la descente. Maintenant, nous sommes suspendus au bord d'un système de cavernes et des trucs qui ressemblent à des serpents. Venez nous chercher. J'ai pas le temps de lire. Ça veut dire que le truc il vient de péter et ça a foncé droit dans les mecs. J'ai pas trop compris, c'est ça le souci. Oula, il va faire nuit. Bon, allez. Oh, 130. Pardon, j'ai pas vu à gauche. Génial, ça, on va plus vite du coup. Et si on active la map? Oh putain. J'aime pas les... cet endroit. Capsule de survivant 17. Échoué près des... système des grottes et subit des dégâts. Des dégâts, mais de Seamost. 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 Je sais pas qu'est-ce que c'est. Oh, j'ai encore un truc radio. Oh,
Oh, c'est quoi ça? Oh là là là. Fragment du découpeur laser numérisé. Ok. C'est un requin, ça. J'ai découvert un nouveau endroit. Oh! Fragment de Simost. Ah, mais le Simost, c'est. Ah, mais oui! Mais c'est un bateau. Ah! Connard! C'est pas un bateau, mais c'est. Integrating new PDA data. Et à quoi apprendre juste? Putain, mais c'est quoi ces énormes trucs là? C'est quoi ça là-bas? Ah, mais c'est ça! Attends, mais. Si je m'approche, c'est pas grave si je meurs. En vrai, vas-y. Non, on va rester là, on va juste fouiller les alentours et on va s'approcher. En vrai, qu'est-ce qu'il pourrait nous faire? Ouais, nous tuer, si. Il pourrait nous faire des trucs. Ah. Fragment du Simost. Excusez-moi. Nouveau schématique. Ah, on peut en avoir. Oh, mais tain, c'est génial. Oh, ce jeu, je pense que là. Oh, je vais kiffer ce jeu. Titan. Ouais, le titan, ça peut toujours nous servir. La cuir. Ouais, le titan, c'est bon, il y en a marre. Un équipement spécial est requis pour qu'elle est collectée. Ces déchets. On va s'approcher. S'il te plaît, faites qu'ils nous attaquent pas. Et oh, là. Ils nous attaquent pas? Ah non, ils nous attaquent pas. Ah mais en fait, c'est des baleines tortues. Je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner. Ah mais en fait, ils ont des trucs sur eux. Me servir. Ah, scanner, oui. Rift back. Il est tellement énorme que ça prend du temps. Oula. Je vais m'approcher de lui là-bas, là. Il a pas l'air d'avoir des trucs intéressants. En fait, il y en a plein ici. Wouah. La lune est énorme par contre. Hein. C'est vraiment une planète qui est proche de la lune. Inventaire plein. Bon, il nous donne pas vraiment grand chose. On va rentrer là-bas. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont grands. Oh putain. On avait eu un signal de détresse, je crois, ou un signal radio. Ah, ça, c'est ce qui nous sert à nous remettre. Ah, ou c'est ça là qui fait mal. Voilà. On va les lire. On lit à chaque fois à la fin, les gars. Pour ceux qui veulent savoir. À chaque fois, à la fin de l'épisode, on lit qu'est-ce que c'est, cette créature. Minerai d'argent. Ah non, j'ai des. J'ai gagné quelques trucs. Je sais pas qu'est-ce que c'est. On prend le signal après. Juste avant. Lingot de. Oh, d'accord. Ah, ça fait que sonner.
quartz. Ça. Et. En vrai, je vais prendre ça. Et voilà. Bon, allez. La capsule 3, je télécharge nos données, nous sommes en train de compléter nos siglides d'urgence, ne paniquez pas, donc, oh putain, et aussi ne rentre pas à la maison sans nous, sérieusement, 3, terminé. Capsule de survivant 3, l'équipage indiqué, le siglide est endommagé. Il est loin. Attendez. Si. Ouais, non, c'est bon. Comme ventre, il est très très loin. C'est quoi ce bruit? Ah, mais c'est ça. J'essaye d'attraper un petit poisson. En vrai, ça a pas l'air d'attaquer en vrai. Non, ça attaque pas. Bah écoutez, je pensais que moi ça allait attaquer. Mais non, ça attaque pas. Bah ok, bah écoutez. Piège à gravité débloqué. Let's go. Ça pourrait nous servir, ça. Je sais pas si je peux le prendre. Non, je peux pas. Y'a rien à prendre ici. Oh, y'a plein de trucs. Oh, je sais pas trop quoi. Oh, c'est quoi ça? Boussole. Ça me dit pas à quoi ça sert en plus. Hein. Non, c'est pas là. En tout cas, ce que j'espère le plus. Attendez. Ah oui, merci. En tout cas, ce que j'espère le plus, c'est qu'on va pas. C'est qu'on pourra sortir de cette île. Vraiment, ils ont dit que c'est très peu probable de se faire aider. C'était quoi ce bruit? Ah, mais c'était eux. D'accord. C'est très peu probable de se faire aider, donc en réalité j'espère qu'on pourra se faire aider, enfin secourir surtout. J'espère que c'est les bananes qui font ce bruit, hein, parce que s'il y a un monstre ou quoi vers moi, un léviathan ou quoi, j'espère pas en tout cas. Que si on se fait attaquer par un léviathan, ben on peut dire qu'on est déjà mort. Hein. Après, je sais pas trop à quoi il ressemble, mais rien qu'entendre le mot Léviathan, c'est comme si qu'on parlait d'un mégalodon. Donc, pour ça, que c'est très très long. J'ai cru qu'il y avait un truc qui brûlait. Boussole, ah d'accord. Piège à gravité. Une petite créature. Génial, en tout cas on a débloqué des nouveaux trucs, c'est plutôt cool. Outil de réparage. Des points en disque de marquage holographique. Il sait pour catastrophier un chemin de sorte de caverne ou autre espacé. Il est difficile de naviguer 20 disques maximum par chemin. Ok, je sais pas trop, qu'est-ce que c'est. On va faire ça. Les lingots de titane.
Lingot de titane, on a. Lubrifiant. Il nous faut échantillon de corail, je sais pas trop quoi là. Je crois que c'est ça, non? C'est ces tubes-là. Ouais, c'est bien ça. Pour faire du lubrifiant. Enfin, de la javel. Et pour faire le lubrifiant. Je crois que c'est dans eau. Non, ça c'est l'eau désinfectée. Comment on fait du lubrifiant? Ah, d'accord. Ah! Frère! Pourquoi il fait ça? Voilà, t'es content là. Hein, ah, j'ai pu. Tu me refais ça, je te jure, je te retrouve. Ok. Bon, j'en ai déjà pris un. De toute façon, ils ont pas dit d'en prendre deux. En fait, c'est cool parce qu'en fait, on est à côté de tout. Et surtout de l'avion. Enfin, de l'avion. Du vaisseau pour aller le fouiller. Dans le prochain épisode, on pourra aller le fouiller. Et voilà. Batterie haute capacité. On va essayer d'en créer une. Je suis où la batterie? Là. Ah, il faut deux piles. Et les piles, il faut minerai de cuir. Oh putain, j'aurais dû en prendre en fait. Source de lumière à usage unique utile pour distraire certains prédateurs. On va aller chercher du cuir du coup. J'aurais dû peut-être en prendre en fait. Excusez-moi. Alors, où est-ce qu'il y en a? Bon les gars, je suis désolé de couper, mais en fait l'exploration elle a duré 15 minutes. 15 minutes pour essayer de trouver des piles, tout ça, tout ce qu'il fallait. Donc, en fait, j'ai pris des piles pour pouvoir créer l'objet qui va nous servir à créer notre véhicule. Mais du coup, je vais passer ce moment parce que c'était vraiment très, très, très long. Ah, hein. On peut créer un circuit intégré. De... Ah oui, il me faut des champignons. Lingot de titane. On en a, et je crois, c'était du lubrifiant. Voilà. On va le mettre là et on va le poser libérer la paix mobile. On va la poser là. Voilà. Escalader. Ok. Oh. Ah ouais. On a beaucoup à faire. En vrai, c'est des trucs faciles, hein. Mais on a quand même pas mal à faire. Et ben écoutez, on va commencer à le créer, mais sans notre petit robot. Donc, je crois il nous faut lubrifiant avec une pile à haute tension. Donc je vais en prendre 4 parce qu'il en faut 2 je crois. Quoi? Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core.
un état super critique dans... Qu'est-ce qui va se passer? Cinq, quatre, trois, deux, un. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Wow! Du coup, ça a mis de la radiation autour. Oh bordel! Waouh, mais il y a une grosse explosion! Oula! Est-ce qu'il n'y a pas des Léviathans ici? Enfin, on va plus aller là-bas. Oh putain! Oh, mais ça a explosé, hein! Ok. Bon, on va pas trop s'approcher de là-bas vu qu'il y a de la radiation. J'espère qu'il n'y en a pas de partout. J'espère qu'il n'y en a que autour. Il y a un truc de radio qui va m'appeler, mais je vais pas trop y aller pour l'instant. Voilà. Il me fallait du verre, voilà. Voilà. Qu'est-ce qui me manque? La goutte titane. Je peux m'en créer un. Ça y est, les gars. On a enfin le Simost. Enfin. Dès qu'on a le Simost. Attendez, mais il nous faut quoi déjà? Ah, mais oui, mais on a. On l'a. Les gars. Ça y est. On a le Simost. Le Simost, non? Le Cygla. Non, le Cygla, c'est ce qu'on a. Ça y est! Le Simost, si c'est bien ça. Let's go! Premier véhicule créé. On va le finir ce jeu. Et après, tu vas le retomber. Plouf! Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Oh là 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 là! C'est la première fois que j'ai un véhicule. Ah, pour quitter. Donc on va aller voir la radio. Ici l'officier Queen dans le pot de survie 19. Le capitaine nous a quitté. Je prends le commandement. La dernière action du capitaine a été de donner les coordonnées d'un terrain émergé. Nous nous sommes regroupés à un demi-kilomètre. Restez groupés et bonne chance. Ce message va bientôt se repérer. Répéter. Des coordonnées. Putain, mais toujours plus loin. Oh, tant que tu es, amène-moi. Je sais pas où c'est, mais vas-y, mais ramène-moi vers. Vers les machins là, vers les Léviathans. Ah! Putain, il faut faire attention. Putain, les gars, c'est la première fois que j'ai un Simos, donc. Si ça m'arrive de péter un peu le. Le Simos, c'est un peu normal. Hein. Ça essaie de me taper à travers et tout, mais ils peuvent pas. Ah, ils font un peu mal. Ah, ça me perd pas de. Oula.
Putain, c'est profond. Ça fait flipper quand même. J'espère qu'il n'y a pas de Léviathan parce que c'est tellement profond que ça se peut avoir. Oh putain. On va attendre le jour si ça vous dérange pas hein, parce que j'ai pas trop envie de me taper un Léviathan. Je suis désolé. Bon, on va s'approcher du truc là. Ça y est, il fait jour. Ok, j'ai réparé mon Simos de là qu'il s'est abîmé dans les 200 mètres. Putain, en fait, c'est utile, mais tu peux pas aller grave loin. Donc, ah, ça va me servir à ça, peut-être, leur truc là. C'est quoi ça? Centrale thermique. On va fouiller là, là. Enfin, fouiller ça surtout. Et après, on remonte dans mon Simost. Enfin, juste pour reprendre un peu de machin. De merde, de machin. D'oxygène, pardon. Et on part directement. Voilà, on reprend d'oxygène. Voilà. Wow. 200 mètres pile. Ok. On va remettre. On va re-réparer le truc là et on va descendre. J'espère qu'il n'y a pas de Léviathan ou quoi, parce que je veux vraiment pas en avoir un. Putain, c'est grave profond. Ça me fait stresser. Je peux rentrer dedans? Ça sert à quoi de m'emmener là? Réservoir à très haute capacité. Ah ouais? Ah, voilà. Ah, j'ai faim. Direct ma faim. J'ai un message radio. On rentre à la base. Oh, ça m'a fait flipper. C'était quoi ce bruit? Ah, mais c'était que j'ai dû peut-être foncer dans. Ouais, dans un poisson. Pardon. Bon. Par contre, dans les longs trajets comme ça, je vais couper. Hein, parce que c'est vrai que c'est long, mais... Voilà. Est-ce qu'on peut améliorer notre Simost pour aller en plus profonde profondeur ou la résistance ou quoi? En vrai, ça serait cool. Hein. Bon, on va poser notre... C'est le cratère qui fait ça, là? Ou c'est un monstre? Non, c'est le cratère. Le cratère, je sais pas comment on peut y accéder, mais bon. C'est cool qu'on a créé un Simost, je suis trop content. On va lire après la radio, on va juste créer un kit de câblage. Et on va créer ça. Ah, il faut un fil de cuir. Mais bon, je sais pas qu'est-ce que ça va nous servir déjà, le circuit intégré. Ah si, kit de câblage avancé. Ouais, que c'est pour ça, non? Non, c'est pour ça? Non. Putain, c'était pour quoi déjà? En fait, je peux déjà me créer ça, un réservoir à haute. Bon, en vrai, je vais le créer. Ah oui, c'était pour, voilà, transformation d'habit, pour faire notre base. En vrai, on va trouver un bon endroit pour faire notre base. Et voilà.
Emergency. Il me semble que c'est ça, faut pas trop que je dise ça. Je vais aller me choper un poisson là qui commence à me saouler là, me demander de manger là. Ah non, ils sont trop petits là, je crois. Oh putain. Fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids, and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Vital signs stabilizing. Titane, minerai d'argent. Est-ce qu'on a du quartz ou du verre en particulier? On a un seul quartz, mais c'est pas ça qui va nous aider. On a un verre. Ouais, je pense qu'on va encore attendre un peu. J'avais de l'or qui peut nous servir. Et écoutez, on va écouter la radio. This is Avery Quinn, trading ship Sunbeam. Aurora, Aurora, vous me recevez? Terminé. Oh! Toujours rien. Ce vaisseau d'Altera, ils sont en manque de graisse de moteur. Ils envoient un SOS, vous proposez votre aide, ils ne répondent pas. Oh, bah attendez, mais c'est peut-être eux qui vont nous aider. Aurora, je suis de l'autre côté du système. Ça va plus d'une semaine pour attendre votre position. Vous avez notre aide terminée. Avez-vous toujours besoin de notre aide terminée? Je réessayerai demain. Cette maudite charte va nous faire perdre notre large de profit, la force de faire ses courses. En attendant, tu regarderas si les scans longue portée. Putain, mais ça me saoule, j'ai même pas le temps de lire, il parle trop vite. Et moi je lis pas vite moi. Et moi je prends mon temps, il me casse la tête. Bon, j'ai encore un truc de détresse. Ici la capsule de 6 de survivants, si j'ai un passage à bord. Nous avons atterri à 1 km du site du crash, mais il y a des radiations entre nous et le point du 6. Point de rendez-vous, nous avons besoin d'une assistance immédiate. Capsule 6 terminée. Coordonnées du sol corrompu. Transmission enregistrée dans la banque de données. D'accord. Ils ont besoin d'aide. Il nous faut un truc, ça. Ben, j'ai assez pour m'en faire une. Un truc de radiation. Ah, il m'en faut deux. Bah, j'en ai deux. C'est parfait. Hein. Tout ce qu'il me faut et tout. J'ai assez et tout. C'est génial. Ah, plomb. Il m'en faut deux. Merde. Ah, bah, j'en ai trois. Voilà. Voilà. Combinaison anti-radiation. Bon, au juste, il nous a appelé pourquoi? Bah, du coup, en fait, j'ai pas de signal de détresse. Quand je crache à 1 km. Ouais, bon, je pense que c'est pour plus tard. Hop, on va sauvegarder là. Voilà. Bon, mission de la capsule de survie 6. Un signal de détresse a été reçu de la capsule de survie 6. Mais les coordonnées jointes ont été corrompues. Les derniers. Données photographiques disponibles ont été chargées et été analysées. L'équipe sollicitaire une distance pour naviguer à travers les radiations. A coulé approximativement 100 mètres. Localisée dans une zone dense en herbe rouge. À proximité d'un certain nombre d'arches naturelles et damas de roches. Donc le damas de roche, c'est ça. Origine de la transmission à environ 400 mètres à l'ouest-nord-ouest, à l'ouest-nord-ouest de la dernière position connue de la capsule de survie 4. Survivant de l'Aurora. Oh putain, mais oh, j'arriverai pas à parler, hein. De l'Aurora, donc, bien sûr. Ozzy's log. It's the day of the crash. I don't know what the heck is happening. I'm scared and I'm not. Ok, il a dit c'est la journée. Attends. Ozzy's log. Salut, c'est Log. It's the day of the crash. C'est le jour de crash et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai peur. Il ne sait pas ce qui s'est passé et il a peur. Et je mets pas le nez dehors, il y a des ombres dans l'eau sous la trappe. Mais je ne peux pas dire si ce sont des rochers ou des bestioles ou des grottes étrangères pas loin. J'avais pas vu que c'était écrit là.
aura transporté tout ce qui est nécessaire pour construire le portail de face. B à véhicule, mobile, bioréacteur, canon à propulsion. S'il avait un cinéma, il y avait un cinéma, il y avait un Gynapse 0G. Mon café, je ne comprends pas comment ils ont pu en arriver là. Je ne sais pas pourquoi personne ne vient me chercher. Capsule de. J'arrive pas à parler. Capsule de survie 3. Journal de bord de l'équipage. Vous pensez vraiment que ça suffira à nous porter tous les deux? Un Seaglide peut traquer une masse de 80 kg à plus de 30 km. La cellule d'énergie. Si vous bricolez devant, devrait doubler sa puissance. Vous croyez qu'il y a quelque chose de plus rapide dehors? Oh, c'est crétin! Et c'est insuffisant que la capsule ne surcharge pas 3 mètres après qu'on soit sorti. Vous semblez calme. Je me concentre sur l'ingénierie. Si j'arrêtais de réfléchir, je serais mort de trouille. Poisson tropical. Ouais, c'est ça qui nous pète à la gueule. On n'a pas envie de savoir. Forme de vie lente qui appelle. Ouais, bon, ça. Léviathan. C'est un Léviathan, ça! Mais alors, le reste, ça doit être énorme! Le cycle de la durée de vie du Riveback s'étend. Verbalement, c'est plusieurs siècles. Oh, ça veut dire qu'imaginez les Léviathans, c'est pendant plusieurs siècles. Ouais, bon, écoutez, après, schéma, équipement. Ouais, ça nous protège de la radiation. Salle de scanner, ouais, sans plus. Voilà. Bon, on va faire à manger. Et après. Et après, on va arrêter là. On va se faire à manger, on va créer notre base et on va s'arrêter là parce que voilà. Oh putain, j'avais pas vu que je faisais. Bienvenue à bord, capitaine. Merci. Construction débitant, on va le mettre à plus jusqu'à 2. On n'en a rien à faire de l'eau. Wow, ça m'a. Mais à chaque fois qu'on tape un truc, ça me fait peur. Rien à faire de voilà, faut l'avouer, mais putain, qu'est-ce que c'est utile ces must. Je vais faire ma base là en vrai, hein. J'espère que ça va me faire un bon endroit. Oh, en plus on voit mes trucs et tout. Enfin, on voit mes pieds. Génial. Donc, oh, c'est ça! Mais c'est incroyable! Incroyable! Salle de multifonction. Ingrédients inconnus, putain. Bon, déjà on va créer comme ça. Hop. Incroyable. On peut rentrer dedans? Non, on peut pas. Mais attendez. Ah, c'est ça? Il me faut du quartz. En fait, c'est tellement utile, putain, j'adore. J'adore ce jeu. C'est tellement utile, en fait, faut que t'as plusieurs trucs et tout. C'est waouh. Pas mal. Non. Ah, du quartz. Parfait. Oh, signal de détresse. On ira plus tard. Titane, il nous en faut. En plus, on est à côté des baleines. C'est parfait, en fait.
Est-ce que là on peut rentrer? Utiliser. Non. Entrer. Oui, comment charge? Oui. Bon, on perd de l'oxygène. Oula, il est où mon smoke? Ok, en fait, on perd en fait. En fait, pourquoi on perd de l'oxygène alors qu'on est là-dedans? Ah, mais oui, pas d'oxygène. Fenêtre. On va ajouter une fenêtre. On va ajouter une fenêtre là. Bon, même si on n'a pas tout, on s'en fout un peu. Ouais, bon, on s'en fout qu'on a pas de... Non, je veux pas là. Je vais de l'autre côté, voilà. Non, mais non. Et voilà. On va aller faire le truc en détresse, là. Et après, on va sûrement finir la base et on va arrêter la vidéo là. Donc vraiment, elle sera petite, la base. Mais ça sera pas grave. On regarde où il est, l'Aurora. Donc c'est... Ouais, bah c'est direction de l'Aurora. Pas comme ça, mais pas plus à gauche. Allez, on passe en dessous. Ok. Aurora, this is Sunbeam. Aurora, c'est encore le Sunbeam. Nous verrons de repérer énorme champ de... Je ne savais pas à quel point... Combien d'entre vous, je n'ai pas l'idée. Nous sommes actuellement en route vers votre position. On va vous ramener à la maison, Sunbeam. Terminé. Que puis-je vous dire d'autre? La seule fois où j'ai gardé... Garder un barda de cette taille sur un rocher si petit, c'était dans la simulation et je me suis crashé. Ben, c'est une mauvaise option, mais les autres ne sont pas meilleurs. D'accord. Bon, il va venir nous aider du coup. On va prendre ça. Il nous fallait quoi? Il nous fallait ça. Du verre. En fait, on va prendre tout ce qu'on a là. Il va venir nous chercher quand? Ouais, je sais pas quand il va venir nous chercher, mais en tout cas, je sais qu'il va nous chercher. On regarde en l'air. Non, ils sont pas là. Non, je vais pas aller monter la table. Donc, normalement, ouais, il est en direction là-bas. En fait, je m'amuse comme si on était sur un avion, c'est un GT, en fait. Tu passes en dessous des ponts, en dessous des grottes. Oh! Putain, mais gros, mais. Ça m'a fait flipper ce truc là. Mais en fait, c'est un Léviathan. Mais alors, ça veut dire que les autres Léviathans, ils seront. Ah, mais attendez, mais je me trompé d'endroit. Ah, mais oui, mais j'ai une direction l'avion. Bon, c'est pour ça que c'était devenu plus en plus profond. Un peu là-bas, je sais pas pourquoi, mais bon, en vrai, ça m'inspire un peu. Hein. J'irai peut-être au prochain épisode pour voir qu'est-ce qu'il y a de là-bas. S'il y a là-bas, mais bon, ça a l'air très profond. Et comme ils ont dit, il s'est crashé vers un cratère et les et je crois les Léviathans peuvent y aller ou ils sont y allés, je sais pas trop quoi. Donc ça veut dire que ça nous attend, ça va vraiment nous attendre. Il y a des choses qui vont nous attendre. Bon. Le truc panneau solaire, là, on va le créer. On va le construire, on va construire ça aussi. Ah merde, échantillon de quoi? De corail plat. Ok. Putain, mais... Ah, mais merde.
vraiment, enfin, c'est pas vraiment une base, parce qu'elle est petite. Mais en tout cas, consolidation. D'accord. Bon, après beaucoup de temps de réparation, en fait, j'avais pas compris qu'en fait, on pouvait. Il fallait en fait mettre des murs très renforcés pour pas qu'il y ait des trous, et en fait ça j'avais vraiment pas compris. Donc on a réussi à le faire après. Bon, du coup j'arrive pas à comment on fait, mais je pense savoir pourquoi ça marche pas. C'est qu'en fait je crois qu'il faut mettre une solidité de la coque. L'intégrité de la coque. Bon, attendez. Je vais regarder ça après, je reviens, je vais juste aller faire mon assiette parce que je vais manger. Et je reviens 2 secondes, attends. Là, on va le finir maintenant. Enfin, pas cet épisode, oui, cet épisode, hein. Pas l'épisode en intégralité. Mais comme vous apercevez, c'est qu'on a 212 dégâts et tout à remplacer les parties endommagées. C'est vraiment trop compliqué, je regarderai des épisodes, j'essaierai de régler ce problème. Et voilà. Donc en tout cas les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la cloche pour savoir mes prochaines vidéos. En tout cas j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Moi en tout cas j'adore ce jeu, je m'attache beaucoup. Mais bon, en tout cas je vous laisse sur cette partie et je vous dis ciao et à la prochaine. Alors hors vidéo, en fait je me suis baladé dans la map et j'ai trouvé une île qui va contenir du diamant pour pouvoir créer le rayon laser. Et en fait j'ai trouvé une tablette qui va nous servir à l'histoire. Et voilà.